Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais regrouper 3 vidéos en une. Ce n'est pas extraordinaire. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Je ne me voyais pas vous faire une vidéo sur ça, mais comme vous me l'avez beaucoup demandé, je me dis, j'ai envie de vous faire plaisir. Je vais vous montrer aussi des partenariats que j'ai reçus, parce qu'en plus, ça a été... si j'ai quelques partenariats à vous montrer, en plus, c'est des bonnes choses à vous montrer, donc ça me fait plaisir. Et quelques choses que j'ai achetées depuis ces derniers mois, il n'y a pas énormément de choses. En ce moment, j'essaye d'économiser un max. Aussi, je voulais vous souhaiter une bonne année 2019, puisque les vidéos que vous allez voir à partir... du 1er janvier 2019, donc la vidéo avec ma sœur et la vidéo sur Knitted Wardrobe, ce sont des vidéos pré-filmées du mois de décembre. Mais là, c'est la première vidéo que je vous filme en 2019, du coup je vous souhaite une très très bonne année. Je vous l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux évidemment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous ai proposé une vidéo sur mes résolutions 2019. Vous avez été pas mal à me la demander, du coup je pense que je vais organiser ça et je vais vous la faire dans les semaines à venir. On va commencer par les cadeaux de Noël, comme ça sera fait. Donc comme je vous l'ai dit, à côté j'ai eu de l'argent, j'ai eu des chocolats, enfin tout ça. Bah tranquille mec. J'ai une cacapelle blanche, le choix de la couleur m'importait un peu, mais bon je pense que d'ici quelques mois elle sera plus trop blanche. Elle est très très bien, elle enveloppe très bien, elle protège très bien. J'ai eu une bague, une très jolie bague, je sais pas que ce soit une bague ou un pendentif, j'avais envie d'avoir une chose que je portais tous les jours. Du coup ma soeur m'a offert cette jolie bague, très très jolie, elle est... très simple, mais moi j'adore. Donc par mon frère, j'ai eu un parfum. Je suis tout le temps restée sur la même gamme de parfums. J'adore la collection La Petite Robe Noire de Guerlain. J'aime trop trop cette odeur et j'ai du mal à m'en détacher. Donc je suis passée par toutes les gammes de La Petite Robe Noire. Donc là, c'est la Black Perfecto. C'est une des nouvelles de Guerlain. Et déjà, packaging magnifique. C'est très important le parfum chez quelqu'un. J'ai eu 2 livres. Je les ai pas lus encore, mais... ça ne va pas tarder. J'ai eu celui-ci, c'est un petit livre de poche, hein, très sympa, qui s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani. Je sais pas comment on dit, je déteste écorcher les noms de famille et les prénoms, c'est ma phobie. C'est 3 femmes qui ont 3 vies différentes sur 3 continents, mais qui ont une même soif de liberté. Je vous l'avais mis dans ma wishlist, j'en suis très contente, c'est celui-ci. Donc c'est Le plus beau métier du monde de Julia Mancitieri. Donc c'est un livre sur l'industrie de la mode, comme vous le savez je veux aller dans la mode, même si c'est de la critique de la mode, ça m'intéresse énormément. Le cadeau principal, on va dire, que j'ai eu de mes parents, ce sont les AirPods. Je m'y attendais pas du tout, parce que c'était une idée que j'avais supposée à mes parents, mais vu le prix de la chose, c'est quelque chose que je n'ai pas réclamé, donc c'est pour ça que je m'y attendais pas du tout. Je suis hyper contente, franchement, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est hyper ingénieux, c'est hyper pratique. Si vous avez 200€ à mettre dans des écouteurs, allez-y. Du coup, je remercie quand même mes parents parce que je sais que c'est un coup quand même. J'ai eu un nouveau piercing de la part du copain de ma soeur qui s'appelle Baptiste. Merci Baptiste. J'ai attaqué l'autre oreille parce que, puisque vous le savez, sur cette oreille-là, j'ai le tragus et l'hélix, donc j'ai un anneau et un bijou. Je me suis fait... c'est le rook, je crois. Au niveau de la douleur, j'ai pas eu mal. J'ai eu mal les jours qui ont suivi. Mais sinon, là, ça va beaucoup mieux. Et en plus, ça, j'aime pas pour mettre des écouteurs. Franchement, pour l'instant, c'est nickel. Donc, je suis contente. J'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Du coup, on va continuer sur les partenariats. Et puis, on finira sur un petit haul. J'ai reçu un rouge à lèvres de chez MAC. J'en suis un peu déçue. Mais juste parce que je l'ai reçu abîmé en fait, il a été endommagé durant les livraisons. Du coup il a un petit problème pour monter, voilà. Mais sinon rien à dire, hein. MAC c'est une très bonne qualité de produit de maquillage. Moi j'en suis très contente à chaque fois que je reçois des produits. Donc là c'est un rouge à lèvres mat d'une couleur un peu brique. Je mets de moins en moins de rouge à lèvres en ce moment puisque je découvre en plus que dans les rouges à lèvres il n'y a pas forcément des produits assez bons. Du coup je tiens un minimum à mes lèvres. C'est vrai que j'en mets rarement. Je me fixe sur des couleurs un peu moins voyantes. Ensuite j'ai reçu la box édition de l'hiver de chez Nuxe. Je sais pas si elle est encore disponible. Je suis désolée parce que du coup je la montre un petit peu tard. Mais très très bon produit. Merci Nuxe. J'adore les box et j'adore les produits Nuxe aussi. C'est une box qui regroupe les essentiels, les must-have de chez Nuxe.
Voilà, donc nous avons une bougie, nous avons un gommage, nous avons une crème pour les mains, nous avons un baume à lèvres que je suis actuellement en train d'utiliser, qui est d'ailleurs génial, le rêve de miel de chez Nuxe, nickel. Nous avons de l'hydratation au corps et nous avons Love Organic qui est en collaboration avec Nuxe. Donc à chaque fois, généralement ça se retrouve dans les box. La box est complètement rentabilisée. Donc moi je vous conseille, si elle est encore disponible et que vous voulez vous faire un petit kiff de must-have de Nuxe, allez-y. Suite, complètement pas surprise, j'ai reçu un colis de la part de Merci Andy. Toujours ils pensent à moi et je les remercie. D'ailleurs grâce à eux j'ai pu vous organiser un concours de Noël sur mon Instagram qui est d'ailleurs terminé. Et toutes les gagnantes ont reçu leur lot. Donc merci encore une fois, merci Andy. C'est toujours hyper professionnel. Toujours très bien pensé, et puis même pour leurs produits. Là, ils ont sorti plusieurs produits pour l'édition Noël, donc je crois qu'ils sont encore disponibles. Je mettrai les liens s'ils sont encore disponibles en barre d'infos. Là, nous avons par exemple la maison Flower Power, qui a été un grand succès d'ailleurs sous mon concours. Ça, c'est des senteurs qui sont disponibles déjà avant sur le site de Merci Andy. Et moi, je vous recommanderai toujours Merci Andy, parce que leurs produits sont de très très bonne qualité, donc rien à dire. J'ai reçu des articles du site Junkyard. J'en avais déjà un peu entendu parler sur YouTube. Je suis tombée sur le site et je me suis dit, oh là là, je ne savais plus où donner de la tête. Il y a énormément d'articles présentés sur leur site. C'est beaucoup, enfin c'est essentiellement un style urbain. Vous avez beaucoup de sneakers, de vêtements de sport, mais qui se portent pour tous les jours. Hein, voilà. Moi c'est un style que j'adore avoir des fois, et puis le lendemain je vais être en talons. Vous avez du Nike, du Adidas, vous avez pas mal de marques qui sont revendues sur ce site là. Comme d'habitude vous aurez un code promo, en plus c'est les soldes les gars, du coup amusez-vous, franchement vous pourrez faire des très très bonnes affaires. Ce bonnet là de Nike, mais il est super chaud, super agréable, donc très bonne qualité. En plus vous recevez tout hyper hyper rapidement. Sur leur site aussi vous avez des choses qui sont de leur marque à eux-mêmes, ou alors des marques un peu moins connues. Donc voilà, j'ai pris ce haut là. Bon bien sûr moi je pensais le mettre sous un col roulé noir ou quoi que ce soit. En fait il est super grand, genre ça baille énormément, donc je ne sais pas encore comment le porter. J'adorais le style en fait, j'aimais beaucoup beaucoup trop, et je crois qu'il y a la jupe qui va avec. Faites attention aussi sur les tailles, parce que c'est pas que des tailles européennes, donc faites bien attention quand vous choisissez. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des sneakers et des vêtements que vous retrouvez pas forcément ailleurs. Donc j'ai choisi ce sweat là, donc c'est un sweat Adidas, franchement je l'avais jamais vu autre part. Il est super super chaud, avec une grosse capuche, il est super agréable. Ensuite j'ai pris des trucs un peu plus basiques, comme ce jogging là Nike, parce que c'est toujours agréable d'avoir des basiques comme ça. Et ça c'est un pantalon, un jogging que je voulais m'acheter depuis un bon moment. Et ensuite je ne pouvais pas terminer mon choix d'article sur Junkyard sans prendre une paire de sneakers, et les sneakers de ma vie entière. Malheureusement dans cette vidéo je n'ai que la boîte, voilà, donc vous pouvez voir que c'est des Nike Air Force One, mais je n'ai pas la paire chaussure, je l'ai oublié à l'internat, j'avais pas forcément prévu de filmer cette vidéo ce week-end. Ajoutez-moi sur Instagram, je vous l'ai déjà mis en post. Niveau pointure, c'était nickel. Moi, je suis pas déçue, franchement, un 20 sur 20 sur cette collaboration avec Junkyard. Il y a une très bonne relation, etc. Et puis dites-moi vous en commentaire si vous connaissez Junkyard et si vous avez déjà commandé dessus, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, c'était mes petits achats. Nous avons tout d'abord cette petite merveille que je vous ai déjà présentée, je crois. C'est de la marque The Body Shop. Vraiment, on dirait une potion quand je vous la présente, mais c'est un peu le cas. De la gamme huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Ça coûte, ce petit flacon coûte 10 euros. Vous l'avez en plusieurs formats, vous l'avez en stick, vous l'avez en petit flacon et vous l'avez en gros pot. Ça vous fait disparaître vos boutons et vos imperfections en un mouvement. En ce moment, ma peau, c'était Bagdad. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est à cause du stress ou du mauvais temps ou... c'est rien. Mais ma peau, c'était n'importe quoi. J'avais jamais vu ma peau comme ça. Donc du coup, ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. C'est naturel en plus de ça. C'est pas des vieux produits qui vous niquent la peau. Et ça fait plusieurs fois que je le rachète, donc pour moi c'est un indispensable et un gros coup de cœur.
Et ensuite on part sur des fringues. Plusieurs fois en ce moment j'ai passé des commandes sur Indis, soit parce qu'il y avait des ventes privées, soit parce qu'il y avait des promos, soit parce que j'étais à Lyon aussi. Généralement Indis, j'achète mes sous-vêtements ou des vêtements de décontract. Tout simplement c'est un très très bon rapport qualité-prix chez Indis. Ils font de la très belle lingerie aussi. Mais par exemple j'avais acheté ce petit haut là chez Indis qui est du coup classé comme pyjama, hein, mais que vous pouvez très bien porter en tant que pyjama ou en tant que vêtement d'extérieur, hein, voilà. Plusieurs fois je l'ai porté en soirée et ça passe très très bien, que vous achetez du coup très peu cher et que vous pouvez très bien porter pour plusieurs occasions. On entend beaucoup beaucoup parler de Jennifer, du magasin de Jennifer, parce qu'il y a énormément d'influenceuses qui en deviennent égéries. C'est agréable d'avoir des choses actuelles chez Jennifer. C'est rare que j'y aille, mais des fois ça vaut le coup. Par exemple, j'ai acheté ce pantalon là il y a un petit bout de temps, j'avais pas de pantalon gris. Donc c'est un pantalon droit avec des petits froufrous au niveau du haut. Et il est très agréable avec une très très bonne qualité, type du Bershka. Donc comme je vous l'ai dit, l'autre jour j'étais à Lyon, du coup je suis passée à Bershka, mon magasin numéro 1 dans mon cœur. J'ai acheté ce pantalon là, par contre j'ai un petit problème parce qu'en fait j'ai pas remis la ceinture puisqu'il était au sale. La ceinture c'est une grosse ceinture avec une ceinture carrée, vous savez, comme un peu celui que je vous avais montré, le kaki de chez Boost & Gusto. Et il est un peu plus taille haute, vous voyez, il centre vachement à la taille. Et c'est un pantalon droit noir, il était en pleine déclinaison, il était en imprimé et en différentes couleurs. En fait, je vous explique. Ah bah, en tout cas, j'ai acheté ce pantalon là et du coup, en passant aussi, en allant à la caisse, j'ai vu ce body là. Mais magnifique ce body quand même. Je me dis, Emma, non, on le prend pas et tout machin, machin. J'ai réfléchi 10 ans dans ma tête et pour finalement de pas le prendre. Du coup, je suis partie à la caisse et du coup, j'ai pas pris ce body. Et franchement, j'y ai pensé après plusieurs jours et je me suis dit, Emma, quand même, t'aurais dû le prendre et tout. Du coup, j'étais sur le site et tout machin, mais j'avais pas essayé. Du coup, je me suis dit, imagine si ça te va pas, voilà. Et du coup, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Du coup, après, je suis allée chez Vic, qui habite à Rion, pour son anniversaire. Et on a été passer la journée à Clermont. Du coup, Clermont, Bershka. Et je me suis dit, si je vois le body à Bershka et qu'il est à ma taille, enfin qu'il est en XS ou en S, je le prends, c'est sûr et certain. Et du coup, je cherche, je l'ai pas trouvé. Vraiment, j'ai dit que vraiment, je suis dégoûtée et tout, je suis sûre, c'est le destin et tout pour me dire de pas me l'acheter, de pas dépenser de l'argent. Je vois un rayon avec, vous savez, les vêtements de fin d'année et tout, vu que c'était avant le nouvel an. Je regarde, il y avait plein de body de cette sorte-là, mais il n'y avait pas ce body-là. Et là, je vais vraiment au bout du rayon. Et je vois une meuf, elle commence à le regarder et tout. Et je vois que c'était le body que j'avais vu à Lyon. Il est en S. Du coup, je me dis, vas-y, je vais aller essayer et tout. J'aurais quand même préféré un XS tout. Vraiment, ce body est beaucoup trop beau. Du coup, je me suis dit, s'il me va, je le prends. Du coup, bah, comme vous pouvez le voir, il me va. Mais ce body est tellement beau. Vraiment, la matière est un peu côtelée et hyper léger. C'est quelque chose qui se détache au niveau du bas. Du coup, merci Bershka. Hyper, hyper beau, hyper fin, hyper... Du coup, il est en décolleté, mais en fait, c'est un décolleté devant, enfin, dans le dos et devant. Et du coup, c'est de la dentelle des deux côtés et il est tellement beau. Il vous met tellement bien en valeur. J'avais été en collaboration avec la Halle suite, du coup, à un projet d'une BTS de mon lycée. Du coup, la Halle m'ont offert 4 articles donc, de mon choix. C'est un pantalon rayé. Un peu comme mon style de pantalon en ce moment, rayé, retroussé, un pantalon droit. Il est super agréable, pareil je l'avais mis pour le nouvel an. On est hyper bien dedans, c'est une matière très douce. Avec, j'avais pris un col roulé blanc en coton. Vraiment le col roulé parfait. Bon, il n'était pas blanc, il était un peu crème, mais je le mets assez souvent puisqu'il est hyper chaud. Et ensuite, niveau sac, je vous avais dit que j'avais adoré leur collection de sacs, qui proposait vraiment un large choix de sacs. Bah, je suis repartie avec, il est vraiment super beau. Nous repartons aussi sur une paire de chaussures. Du coup, j'ai choisi une paire de chaussures. J'ai choisi celle-ci, c'est des petites derbies à franges. Donc bon, je les mets pas en ce moment parce que comment vous dire qu'il fait moins 7. Donc bon, vous mettez pas forcément des chaussettes avec ce genre de chaussures. Vraiment, elles sont hyper jolies. J'en suis super contente. Vraiment, à l'âle, vous avez des pièces très très ciblées et qui sont très très jolies. On dirait pas trop que je vais au ski avec ce bandeau. Vraiment, mon rêve d'aller au ski en ce moment. Il y a pas une station de ski qui peut me contacter et me faire un partenariat. Donc voilà, cette vidéo est terminée.
Et puis bah voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous listés en barre d'infos. Et en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.